Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo courte, mais qui peut être instructive pour certains. Voilà. Donc on va configurer une Fiat Tipo 5 portes. Donc, alors, il y a différentes finitions, différents moteurs. Donc, bien sûr, moi je suis belge, donc je vais faire. C'est pour la Belgique. Donc, la première finition, c'est la pop. Alors, la seconde, easy. Puis, il y a business, tech edition. Lounge et S-Design. Alors, ici, aujourd'hui, on va configurer une Lounge, qui est à partir de 18 690 euros. Alors, plusieurs sortes de moteurs. Alors, il y a le petit 1400 essence MPI 95 chevaux, le 1400 turbojet 120 chevaux. Alors, excusez-moi toujours voir mes mains, mais comme c'est un PC portable, j'ai la souris qui se trouve dans le champ de vision. Alors, poursuivre. Le diesel, il y a le 1316 valves multijet 2, 95 chevaux. Après, il y a le 1600 multijet 2, 120 chevaux. Et il y a la version boîte DCT. DDCT, pardon. Donc, moi, je vais prendre le 1600 multijet 2, 120 chevaux. Avec, qui est à 22 490 euros. Donc, on va configurer ça tout de suite. Si vous voulez bien charger plus vite. Ah, voilà. Donc, deux couleurs non métal. Donc, Bianco Gelato et Rosso Passione. Alors, les métallisés. Alors, il y a Blue Mediterraneo, Bronzo Magnifico, Grigio Colosseo, Grigio Maestro, Nero Cinema, Perla Sebbia, Rosso Amore, Verde Toscana. Donc, je vais mettre un peu toutes les couleurs. Donc là, vous la voyez en blanc. Je vais la mettre en rouge non métal. Donc voici rouge non métal. Je vais maintenant la mettre en bleu. Blue Mediterraneo qui est métal. Donc toutes celles qui vont suivre maintenant, c'est des métals. Donc voici en bleu. En bronze, Bronzo Magnifico. Voilà, Grigio Colosseo. Donc ça, c'est un gris foncé, hein. Maintenant le gris clair, à chaque coup je tape, je fais clic droit. Donc ça c'est le gris clair. En noir, Nero Cinema. Alors. Deux petites secondes parce que je vais mettre en charge, sinon on va être coupé avec vous. Voilà. Excusez-moi. Donc, ici en c'est un genre de vin, couleur vin blanc comme ça, sable, qui s'appelle Perla Sebbia, c'est métal aussi. Alors, on a Rosso Amore. Donc ça, c'est le rouge. Verde Toscana.
Voilà. Donc, moi, je vais choisir une version bleu Méditerranéo, donc bleu. Donc, le seul bleu qui est proposé, c'est la typo 5 portes. Donc, elle a des jantes 17 pouces. Alors, il est possible d'avoir des jantes 18 pouces à 600 euros ou les jantes 17 pouces à 400 euros. Moi, je vais laisser les 16 pouces. Alors, l'intérieur, il est possible d'avoir en noir, mais également en beige. Beige et noir. Ici, c'est gris et... Enfin, noir et gris. Mais ici, il va se mettre en noir et beige. Donc moi j'ai quand même choisi, c'était juste pour vous montrer, on va quand même choisir noir et gris parce que je trouve que ça donne c'est ce qui donne le mieux. Donc plusieurs packs, je vais pas tous vous les citer mais on en a le droit à plusieurs. Alors dans les options, je vais juste rajouter roue de secours. À noter qu'il y a caméra de recul et de stationnement arrière, roue de secours. Voilà, tous des trucs. Il y a même radar anti-collision. Donc, l'aperçu. Alors, je peux pas vous donner de tarif parce que le truc ne m'en affiche pas. Ce pied commence vraiment à m'énerver. Voilà, sur ce, on va se quitter. C'était une courte vidéo, mais j'ai envie de vous faire la configuration de la Fiat Tipo. Voilà. Bye, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche des notifs et un like si vous avez aimé.